L'armée irakienne affirme encercler désormais la vieille ville de Mossoul où sont retranchés les derniers combattants du groupe État islamique. Il sera environ 300 contre 6000 lors du lancement de l'offensive il y a 8 mois. Les combats ces derniers jours sont particulièrement féroces et meurtriers. Les soldats irakiens, appuyés par la coalition internationale, progressent rue par rue, maison par maison. Ils sont sous la menace constante des snipers, des kamikazes, des mines ou des tirs de mortier. Nous progressons lentement, avec précaution, en tenant compte des vies des civils qui sont prises au piège dans la vieille ville et que l'ennemi utilise comme bouclier humain. La bataille de Mossoul a déjà fait de nombreuses victimes civiles. Dans cet hôpital de l'ouest de la ville, arrivent chaque jour des dizaines de personnes blessées par des bombardements ou des balles perdues. Parmi les patients, de nombreux enfants ou adolescents profondément choqués. Tous les patients ont besoin de beaucoup d'attention pour leurs blessures, mais aussi pour des problèmes psychologiques. Chacun arrive avec son histoire, en particulier les enfants. Ils ont besoin de parler, ils veulent savoir si leurs parents ou frères sont toujours à Mossoul. Selon l'ONU, 100 000 civils sont pris au piège à Mossoul, où la situation humanitaire est dramatique.